Exact. Est-ce que je dois te chercher? Est-ce que je dois te chercher? Donc, là, quel long, long. Où est mon argent? Haricot, est-ce que je peux fuir avec ton argent? Oui, tu fuis. Si je te cherche déjà, ça voudrait dire que je ne te vois pas. Tu es en divagation, tu as fugué. Donne-moi 500 yamas. Quand vous avez soif, vous faites pitié. Tu marches torse nu. Haricot, j'ai été élu l'homme le plus intègre de ce village pendant 5 ans. Tu ne peux pas me parler comme ça pour deux maigres verres de vin, assis de même. Je suis sûr qu'il y avait de l'eau dedans. Ne me parle pas comme ça. Je n'ai pas dit que je ne te donnerai pas ton argent. C'est quoi? J'arrive à la maison, on me dit tu m'as cherché. Rien que pour 500. C'est avec ça que tu vas monter les étages? C'est quoi? Hein? Donc après avoir ingurgité mon vin, tu crées mon vin de mauvais vin. Tu as 5 ans. T'as dit de respect dans les dettes. J'ai pitié de toi, pitié. Fous-moi. Je vais te donner ton argent. Pas que je vais. Ouais, fous-moi. Je vais te donner ça tout à l'heure. Oh, quelque chose. Merde. Je vais te donner. Tu ne peux pas m'humilier pour 500. Tu comprends, non? Donne-moi pour moi. Je viens de couper 5 régimes de noix de palme là. Oui. Pour Zach. Je suis en train de m'y rendre pour récupérer ce qu'elle me doit. Si tu veux, allons. Je récupère l'argent et je te paye. Je ne suis pas à 500 francs près. Tu es en train de t'y rendre. Comme tu es en train de t'y rendre, on s'y rendra. Il faut me laisser le bavardage là. Il fait chaud. Ne me casse pas les oreilles avec le bavardage pour 500. Tu es endetté. Je ne suis pas pauvre endetté. Après avoir vu quoi? Tu es PPTE. Petit pauvre endetté. En part, tu me donnes mes 500. Il faut pas me coller comme ça. Pas me coller. Un pays endetté ne bavarde pas. Je suis une puissance. Et en tant que puissance, tu dois me respecter. Le soleil, c'est une fatigue de jeter. Le soleil, je sors comme ça de là où tu m'as envoyé le matin. Je te dis que ça n'a même pas été un peu facile. Tu montes, tu arrives en haut, c'est pourri, 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 pourri. J'ai peut-être fait 15 palmiers, mais à la fin, j'ai quand même pu couper 5 régimes. Mmh. Mmh. Donc tu me dois 2500. Compris. Tu as compris comment? Je vais récupérer mes 2500. Disjoncteur. Oui. Tu as compris? Ne me dérange pas. Je n'avais pas rendez-vous avec toi. C'est toi qui viens me dire ici que quand tu passais, tu as vu sur mes palmiers là qu'il y avait 5 têtes de noix déjà. Je t'ai dit, ok, va couper. Si tu as déjà coupé, tu es venu me dire, j'ai compris, ça veut dire que tu as coupé 5 têtes, je te dois 2500. Il faut passer la semaine prochaine, tu viens prendre ton argent. Viens pas me déranger. Ça. Donc, tu ne vas pas changer. Ce n'est pas toi qui me fouillais partout là que tu veux manger le sanga. Maintenant, c'est que c'est moi qui suis venu te voir. Ce n'est pas la malchance, ça. Pourquoi les gens de ce village, vous me prenez vraiment pour un idiot? Donc, comme j'étais né de nouveau là, vous pensez que je suis bébé? Ça, est-ce que tu sais ce que j'ai enduré là-bas? Disjoncté. Pour couper même les 5 régimes, est-ce que tu sais? Disjoncté. Hein? Défier la première loi de Newton, la deuxième loi de Newton, bagarrer avec la pesanteur. J'arrive même en haut là-bas, il y a le serpent. Ou c'est le totem de celui qui est à côté de moi, je ne sais pas. Là où tu as j'ai fini de travailler comme ça, maintenant j'attends ma paye, tu me renvoies la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vous ai fait Disjoncté. Dans ce village? Qu'est-ce que vous me voulez dans ce village? Moi, je vais partir. Ce n'est pas possible, j'ai mal à la tête, franchement. Ne viens pas me déranger, je n'avais pas rendez-vous avec toi aujourd'hui. Quand tu dis bien que quand je te voulais manger, quand je voulais manger, ça s'est conjugué au parfait. Mon présent, c'est toi qui es venu me trouver ici. Je t'ai dit d'aller faire... Quand tu me dis qu'en est présentement, je veux mes 500. Comme il n'a pas faim, comme il n'a présent, comme il n'a futur. Je veux mes 500. Harico. Karina, vous avance. Harico. Elle te donne l'avance. Je vais prêter quelque chose à ce sujet-là. Malade.
Allez, toi, tu peux me laisser tranquille. Vous me prenez pour des... Okay. Donc, faut pas me mettre sur les nerfs. Hein. Je suis déjà assez tendu comme ça. N'exagère pas. C'est moi quoi. Qu'elle te donne l'avance. Qu'elle te donne l'avance. Quelle avance? J'avais rendez-vous avec lui aujourd'hui. Oh, merde. Moi, je dis que si tu me... Je vais aller ramasser le régime là. Je m'en vais vendre. Yeah. Non, non, je ne peux pas être endetté. Pourtant, j'ai de l'argent gardé quelque part. Le corps est déjà là. Oui, monsieur le coq. Il est venu ici ce matin me dire qu'en passant, il a vu au niveau de la palmeraie là, il y a Javert où c'est 5 régimes de noix. Ouais, je lui ai dit que okay, si tu embousses, tu coupes. 500. Je ne savais pas qu'en partant là, il est parti couper. Ouais. Et maintenant, il revient, il me dit qu'il a fini de couper 5 têtes, je dois lui donner 2500. Je lui ai dit que ah, j'avais rendez-vous avec toi à Dijonté. Papa, je vais te donner ça même la semaine prochaine. Monsieur est en train de bavarder comme tu vois. Et l'oc là, c'est quoi? Je ne le connais pas, c'est même pas bizarre. Je ne veux même pas vous connaître. Lui, il est venu chez moi. Ouais, vraiment. Alors, tu me permets de m'exprimer, hein? Je m'exprime. Nous n'avons pas bien attendre, tu es notre grand, notre aîné. Il est venu dans mon club. Ouais. Donc, il a pris 2 verres de vin. Ça fait pratiquement une semaine aujourd'hui. Je cherche Dijonté à midi, je cherche Dijonté le soir. Ouais. Ton école que tu as faite, c'est pour venir anarquer les gens. Deux verres de matango, bon, 500 francs. Qu'il me remette mon argent, il vient demander l'argent. Je crois qu'il voit. Je vais couper court. Voilà. Celui-ci. Celui-ci. Hein? Tu sais là où il habite, non? Pardon? Tu sais là où il habite, non? Attends. Lui, il est ici parce qu'il attend son argent. Tu peux écrire à côté. Tu viens aboyer chez moi. C'est ça. Moi, j'ai le droit d'aboyer ici parce qu'on me va là-bas. Va m'attendre à route. Va m'attendre à route. Ah, dis, on te dit que c'est combien? 2500. Va, je te vois le soir. Non, je fais comment de lui là? Mais mon père, à quel niveau? Non, toi tu sais, c'est m'a dit va. Toi, va, Dijonté, va. Tu as dit la semaine prochaine. Moi, j'ai dit le soir, attends que je parle quand même enlever tout ce que j'ai là. Je vais te donner ton argent. Tu as risqué la mort, non? À monter en bas? Voilà, toi-même tu sais. Je sais, c'est pour ça qu'il dit. Les gars, ce que les gars m'ont fait. Non, je veux qu'il parle ici comme ça, vraiment. Vous donnez son. Donne-moi mon argent. Tu veux mes 500 francs? Ah, c'est maintenant que tu es passé le matin. Depuis un mois, tu me fouilles partout. Bon. Viens faire le travail. Je finis de faire le travail. Ça devient un problème. Je n'étais pas fouillé aujourd'hui. Ah, tu ne m'as pas fouillé. Mais chaque jour, tu. Là, laisse. Zan, tu ne peux pas être malhonnête jusqu'à ce point. Tu as été malhonnête. Arrête d'être malhonnête. Vraiment. À ton âge, la malhonnêteté, ça ne vaut pas la peine. Si elle a 500, elle me donne. Moi, je pars. Avec quelqu'un là-bas? Envoie-moi 500. Il me doit 500. Envoie-moi 500. Je dis, Zan. Tu as dit que si on ne donnait pas l'argent... Je vais aller vendre les noix là. C'est mieux. Va vendre. Et te donne ça cadeau. Bon. Okay. Moi, je m'en vais vendre les noix. Moi, je ne veux pas vendre. Quand on m'appelle à la chefferie... Va vendre les noix. Voilà. Tu es témoin. Oui. Allons. C'est moi qui ai décidé. Voilà. Je m'en vais vendre les noix. Il y a une dame qui fait l'huile rouge ici là. Allons vendre. Je te donne tes 500. Fous-moi le camp. Tu es fou. Si tu fais même tu ça. Tu es fou. Si on tu continues. On y tourne. Tout ça. J'ai essayé quelque part. J'ai bu les noix. Je te dois. Tu peux prouver que je te dois, haricot. Es-tu capable de prouver que je te dois? Es-tu capable de prouver que je te dois? Tu n'as même pas le droit dans la tête. Ne me touche pas comme ça. Ta femme me doit. Ne pose pas ta main sur moi. Vous me devez. Je vais vendre. C'est un quoi d'après là? Lui pas déjà. Tenez. Avant les noix. Je vais vendre. Oui. Tu as fait l'école des noix. Voilà. Wow. Pour les bitons. Tu me donnes mon argent. Tu me donnes le moucheron là. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu es mou. Tu t'en vas travailler. On est au compte de prêt. Tu t'en vas aller. Oui. Je ne te donne pas ton argent. Ça, tu m'as quoi au camp, man? Tu t'as dit quoi? Évite les gens, c'est. Les 2500 que le gars là a gagné, c'est pour stresser sa journée. Il peut attendre la semaine prochaine. Si le gars là vend seulement un seul régime de noix là, ben il capte. Il y en a un mauvais pour moi, ne bimbo. Qui le sait? L'application TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent des États-Unis ou du Canada à 0 francs comme frais. Et si tu utilises encore mon code promo Edoudoua, tu gagnes 10 $ sur le montant
que tu envoies. Maintenant, si tu es du côté de l'Europe, quel que soit le montant que tu envoies, on te prélève seulement 2 euros comme frais. Et si maintenant tu utilises mon code promo Edoudoua, tu gagnes 5 euros ou 5 livres sterling sur le montant que tu envoies. Alors, fais confiance à TapTapSense.